C'est sérieux, hein? Vous voyez là, on est en train de parler encore du comportement. C'est un peu d'un on va vous montrer comment ça se passe au training camp. C'est ça. A de suite. On va vous faire visiter tout ça. Là, il y a le petit entraînement ici. La petite entraînement spécifique. Et on monte là-haut de suite. Bonjour à tous, on est avec monsieur Zéléla Christophe. Enchanté, alors je te laisse m'expliquer un peu où on est, qu'est-ce qui se passe ici. Ok, alors je vais découvrir tout ça là. On est au stade municipal de la Lovette. Je pense que bah, beaucoup de monde le connaissent un peu dans la région. Aujourd'hui on est sur une semaine de training camp. Ok. Où on essaye de ramener les meilleurs jeunes à peu près de la région qui veulent se perfectionner dans le football. Donc ça, ouais. C'est-à-dire en défense, en milieu, en attaque. C'est du lundi au vendredi, du matin de 9h jusqu'à midi, et ensuite de 14h jusqu'à 16h. Okay. Et on essaye de combiner des programmes adaptés à chaque jeune. Donc vous avez plusieurs catégories. D'accord. Catégorie de 8 ans, après on monte de 10 à 12 ans. Donc c'est à tour de rôle, vous allez avoir le matin un premier groupe qui va passer en défense, ouais. Après vous allez avoir un autre groupe qui va passer en milieu et le dernier groupe qui passera en attaque. En gros ça tourne quoi. Exactement, okay, à chaque heure, part, ouais. Exactement. À chaque heure, chaque équipe a leur créneau. Voilà, après comme vous avez des coachs différents, exactement. Et chaque coach est spécialisé, exactement. Dans son domaine. Chaque coach est spécialisé dans son domaine, apporte une vision différente du placement du haut poste. Ouais. Donc ça. Et là j'ai vu en défense, vous avez qui en défense? On a Apam Traoré, voilà, ce qu'on a très, vu tout à l'heure. Très 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 grande connaissance de l'OGC Nice, ancien joueur. Ouais. Il apporte beaucoup aux jeunes avec son expérience et il donne beaucoup de conseils. De parler avec la demoiselle, voilà. Il lui explique exactement. Et voilà, avec les autres dirigeants éducateurs, moi qui fais du foot depuis des années, qui a eu la chance de jouer à assez bon niveau, j'apporte aussi mes connaissances et j'apporte aussi une vision différente du football. Je pense que d'avoir un mot différent pour chaque jeune, mais de leur monter toujours la bonne ligne droite dans le football, je pense que c'est très important et ça leur fait du bien, ça leur donne encore plus confiance. Donc c'est un plaisir d'être là vraiment, parce que c'est une attraction entre les grandes personnes et les enfants. Et on est là pour leur faire du bien et pour les faire progresser. On a vu, il y avait une bonne ambiance en exactement, plus. Exactement, il y a une très bonne ambiance. Ça c'est reste, convivial. Ça reste convivial. Exactement. Et après, vous travaillez exactement, aussi. Exactement, les enfants sont contents d'être là et nous, on prend vraiment un très gros plaisir. Alors moi, c'est Dylan. Ouais. Je fais partie du staff aussi. Ok. Je suis entraîneur à l'OGC Nice. D'accord. Et voilà, on est tout en neuf pour les petits. Comment tu t'appelles? Enzo. Enzo, enchanté Enzo. Alors, on est où exactement? Je te laisse présenter l'endroit, etc. On est au stade de la Lovette, à la supérieure. Très et bien. On est au stage training camp. Très bien. Dont le propriétaire est Johan Zell. Très bien, ok. Et du coup, alors, qu'est-ce que tu fais ici exactement? Bah, moi, à la base, j'étais joueur, comme le stagiaire. Tu jouais où? Je jouais à Monaco. Ok. Et petit à petit, je suis devenu coach depuis petit. Très bien. Donc, tout en apprenant le métier d'éducateur. Donc, je suis là. Et... Avant que tu n'as pas perdu les réflexes. Non. Et donc, voilà, ça me plaît bien d'être ici. Donc, ça fait combien de temps que tu exerces en tant que coach?
C'est ma deuxième semaine. Deuxième semaine, très bien. Alors, qu'est-ce que t'en penses au bout de deux semaines? C'est un peu compliqué. Hein. C'est un peu compliqué à gérer, mais c'est une passion après de transmettre ton savoir et tout ça, d'expliquer aux jeunes. Oui, après, c'est plus simple d'apprendre à ceux qui ont envie d'apprendre, quoi, c'est ça? C'est ça. Bah, après, ça va venir. Il faut leur donner un peu le goût au ballon. Et après, je m'inquiète pas pour toi. T'as l'air sympathique, donc je pense qu'il n'y a pas de souci. Nous, on est l'équipe niçoise, donc je sais pas si tu nous connais. On est un petit média niçois. On parle d'actualité foot et tout ça. Est-ce que tu suis un peu les performances de l'OGC Nice? J'étais au match dernier là. Qu'est-ce que t'en dis alors du match? C'était difficile les premières mi-temps, hein, mais ils ont su remonter la difficulté et pour nous donner du spectacle les 20 dernières minutes. Canon, hein, franchement, match. Hein. Ouais, bon match. Alors, tu pronostiques pour Nice-Marseille qui se passe demain, mercredi à 3. Petit pronostic, allez. 2-0 pour Nice. 2-0 pour Nice. Écoute, 2-0. C'est enregistré. En tout cas, merci à toi, merci à toi pour la petite minute que tu nous as accordée. Puis on reviendra te voir pour nous dire qu'est-ce que t'en penses encore. Ok, ça marche. A bientôt. A bientôt, merci. Ça passera. Moi, je t'appelle. Arrêté, je savais pas que ton père c'est Joël. Bon, alors ça se passe bien du coup? Oui. Ah, tu vas dire que du bien parce que ton père c'est Joël alors déjà. Bon, on va interviewer quelqu'un d'autre. Mister, salut l'homme. Salut, comment tu t'appelles? Calvin. Alors comment ça se passe le stage à Fédicap? Bien. Bien, nickel. C'est la première fois que tu viens ici ou pas du tout? La deuxième fois. Enchanté, alors tu joues où? Dis-moi tout, présente-toi. Je m'appelle Shams Majdi, je joue à l'OGC Nice en U18 féminin. D'accord. Et je suis latéral droit. Très bien, et qu'est-ce que tu fais ici à Training Camp du coup? Je m'entraîne. Ah, tu t'entraînes dur? Je travaille dur de toute façon. Et alors comment ça se passe? Comment tu trouves les entraînements? C'est dur, mais il faut, de toute façon, c'est comme ça. Tu lâches pas, j'ai vu tout à l'heure à Pam, il était en train de t'expliquer un peu les placements et tout ça. Ça va, t'arrives à bien retenir? Ouais, ça va, il m'a bien aidé. Nickel. Et comment se passe ton début de saison du coup? Pour l'instant, ça va. On est premier du classement, nous. On a gagné tous nos matchs, que des victoires. Ah, bonne nouvelle. Ouais. Et t'as marqué ou pas encore? Ouais, j'ai mis 4 buts. T'as mis 4 buts en tant que latéral? Ouais. Bravo, franchement, ça promet, hein. Ouais. Félicitations. On a un très bon stage, nous. Comment ça se passe? Bien, c'est sérieux, là. Hein. D'accord. Vous voyez, là, on est en train de parler encore du comportement. Ça fait que ça pénalise. Du Aponis. Sûr, valeur sûre. Même vous, là, le moyen. J'espère. Mais s'ils font le cri comme t'as fait, hein, parce que c'est pas choix. Ah, mais là, il faut. C'est bon. Parler actualité. Yes. OGC Nice. Ouais. Est-ce que t'as suivi le match ce week-end? J'ai suivi le match, j'étais pas au stade malheureusement, parce que j'avais plus de place. Ok, pas ouais, place. D'accord, voilà. Normal. Mais par contre, j'ai suivi le match. À être sincère, j'ai eu peur sur la première mi-temps. Ouais. On s'est un peu légèrement ennuyé. Ouais. J'ai envoyé quelques messages à des amis. Moi qui étais au stade pour savoir comment le ressenti, parce que quand on voit la télé sur le terrain, c'est différent. Et en plus, il y a une coupure, hein, je sais pas si tu l'as vu. Oui, j'ai vu, ouais, c'était mal. Donc, on m'a dit exactement la même chose, que le jeu était un peu limité, que c'était très calme. Et je pense que Nice, depuis des années, hein, moi qui habite ici depuis des années, c'est une équipe qui a vraiment un sursaut d'orgueil. Et les mecs vont charbon. Et je pense que dans le vestiaire, Gatti a dû sortir les crocs. Ah ouais, bah après, footballistiquement, la compo n'était pas bonne. Oui, non, mais. Ouais,
tout à fait. Sur mes débriefs, Dani Luc à gauche, c'était pas possible. Voilà, mais je pense que Natal, bon. Je pense voilà. que, mais après Galtier, il a eu un discours il y a deux semaines où il a dit qu'il allait avoir quelques changements. Je pense qu'il a voulu. D'enlever voilà. Pablo au milieu de terrain, c'est interdit. Voilà. Mais moi, j'ai eu peur. Voilà. J'ai vu un peu ce qu'il y avait dans l'axe. J'ai dit, bon, ça fait peur pour la première mi-temps. Voilà. Et ça n'a pas raté. Hein. 2-0. Ça n'a pas raté 2-0. Et je pense qu'il a dû voir qu'il a fait une erreur, mais ça a dû faire réfléchir aussi les joueurs dans l'effectif, les joueurs dans le groupe. Et tout a changé en deuxième mi-temps. Et exactement. Quand tu vois qu'à la 90e, il y a 3-2, frérot. C'est voilà, c'est du coaching voilà. gagnant avec des joueurs importants qu'ils ont pu. Faut pas sous-estimer l'équipe, faut pas sous-estimer le coach. Donc là, aujourd'hui, on parle, ils sont 3e. Ouais. Là, on va passer à un sujet un peu plus sérieux. Ouais. Vous le voyez, commence à sourire. Parce que c'est un supporter marseillais. Je vais le rappeler. Là. C'est un supporter marseillais, ouais, l'enflure, ouais, ouais. là, en face ouais. de moi. Là. Mais, quand même, on va prendre son avis. Donc, Marseille contre le PSG, match nul. Ouais. Voilà, c'est comme une victoire pour vous, ouais. on le sait. Voilà, exactement. Non, parce que le jeu, il a été. Dans le fond, il y a eu du jeu quand même. Et je pense qu'on a su tenir face à Lionel Messi. 4 fantastiques devant. Voilà, c'est. On a plus impressionné par le stade, c'est pour ça qu'ils jouaient pas, apparemment. Ils ont dit ça. Le Vélodrome. Ils ont dû regarder un peu plus les supporters. Les gens, je pense, qui vont voir la vidéo, les gens qui ont l'habitude d'aller au Vélodrome voir des matchs, savent très bien l'ambiance. Ah ouais, c'était une sacrée ambiance. C'est compliqué. C'était une belle ambiance, franchement. Très belle ambiance. Et là, les supporters, ils sont là, ils poussent. Paris, malgré l'équipe de feu qu'ils ont. Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, je pense. Donc, Nice 3, demain. Nice 3 à 3, Nice, ouais. Nice-Marseille, ouais, ouais. le match. Ça va être tendu, je pense. Je pense que les Niçois ont une revanche à prendre. Ouais. Parce que je pense que le. Mais une revanche de quoi? On gagnait déjà 1-0. Ouais, c'est que j'ai tout le monde sur ce discours. Quoi, tu parles de revanche? Je sais, les gars, que vous étiez ouais. en train de gagner. Moi qui étais au stade, pour moi, le match n'était pas fini. Okay. Je pense que s'il y aurait une deuxième mi-temps, ça aurait pu peut-être se passer différemment ou on aurait peut-être pu perdre. Tu vas te faire lâcher, mon pote. Ouais, je sais, peut-être. Mais je pense que demain, ouais. je vois un match nul. Voilà, rattrape-toi, c'est clair. Je vous annonce non, demain 2-1 pour Nice. Ah, avec peut-être. Un but de Milk. Je l'appelle Milk. En tout cas, mon frérot, c'était un grand plaisir. Avec plaisir, merci à toi. Et puis, je repasserai vous voir. T'es le bienvenu, frérot, t'es le bienvenu, tu sais. Voilà, le coach, il est en train de parler là-bas. Donc, à très bientôt, Christophe. Merci à vous, à bientôt.